La plage, c'était une chose, mais c'en serait une autre de franchir le bourbier. Le premier groupe d'éclaireurs envoyés par les Vikings ne revint jamais. Pas plus que le second, ni le troisième. Cet endroit est... Les nombreuses maisons des Daimyos se partagent la protection du bourbier. Toutes leurs défenses ne se valent pas. Je dois rejoindre les quais. L'un d'eux saurait peut-être comment rejoindre la cité. Le bourbier est le cauchemar des armées. Ses trajets en mouvement perpétuel. C'est vous que je cherche! Voilà 500 ans que les samouraïs occupent ces terres. Assez. Bien des Vikings succomberaient au bourbier si les éclaireurs ne trouvaient pas un passage sans risque. Du moins, sans trop de risques. L'éclaireur qui avait trouvé ce monastère s'était sûrement demandé. Par les dieux, j'espère qu'il y a des cartes là-haut. Il n'a pas su fuir leur patrie lors de l'exode. Pour un samouraï, il est déshonorant de faire un prisonnier. Pour un chevalier... Les daimyos du bourbier affirment être en paix. Étrange qu'un peuple qu'on prétend paisible se livre... Par les dieux, j'espère qu'il y a des cartes là-haut. Il y a quelques décennies, les Vikings avaient déjà fait une incursion dans le bourbier. Il y a 1000 ans, ce lieu était sous l'eau.